Et puis le Parlement panafricain a adopté à l'unanimité le lundi 16 octobre à Johannesburg le projet de motion appelant à la levée de la décision interdisant l'entrée des Tchadiens aux États-Unis d'Amérique. Cette séance a été dirigée par le président du Parlement panafricain, le Malien, Segur Traoré, qui avait à ses côtés l'ambassadeur du Tchad en Afrique du Sud, Sagour Youssouf Mahamat Itno. Des précisions avec Adoumbé Hortense. Le Tchad est reconnu à l'international comme l'un des premiers États d'Afrique le plus engagé dans la lutte contre le terrorisme, motif essentiel pour lequel le Parlement panafricain réuni en plénière ici à Johannesburg adopte à l'unanimité le projet de motion appelant à la levée de la décision des États-Unis d'Amérique qui pèse sur ses ressortissants. Une décision prise dans un décret présidentiel en mars dernier interdisant à toute personne de nationalité tchadienne l'accès aux États-Unis d'Amérique. Présidée par le président du Parlement panafricain, Roger Kondo Dani, la motion est soumise par le député malien Sekou Fantamadi Traoré, soutenu par son collègue de la République arabe Sahari Djamal. Les termes de la motion ont clairement démontré l'implication militaire du Tchad dans ce combat d'envergure qui lui a fait payer un lourd tribut et a aussi prouvé que le pays de Toumaï abrite aujourd'hui le quartier général de l'opération Barkhane, cette force spéciale contre le terrorisme. Sur le plan diplomatique, la coopération entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique est agissante dans bien de domaines. Coopération à la faveur de laquelle les forces de défense et de sécurité du Tchad ont bénéficié des formations axées sur les méthodes antiterroristes, compte tenu de son aptitude et de sa détermination contre ce mal. La pertinence de ces aveux a convaincu le Parlement panafricain qui exprime ses regrets relatifs au terme de ce décret présidentiel américain et exprime son soutien indéfectible au Tchad. Il demande par ailleurs au gouvernement des États-Unis d'Amérique de lever purement et simplement la mesure inscrivant le Tchad sur la liste des pays dont l'accès de ses ressortissants aux États-Unis d'Amérique est interdit. À la fin de cette plénière, les différents parlementaires ont, au nom de leur pays respectif, exprimé leur solidarité au Tchad et loué le courage de l'armée tchadienne sur le terrain face aux terroristes. Suivez. Moi, en tant que Malienne, je ne peux que soutenir cette motion, je ne peux qu'être en première ligne, parce que nuit était le Tchad, je crois qu'on sera encore dans des difficultés, parce que les moyens seulement ne suffisent pas. Pour éradiquer le terrorisme, il faut des stratégies aussi, une connaissance du terrain. Et le Tchad, bien vrai qu'il perd tous les jours des fils sur le champ d'honneur. Ils n'ont jamais fait cas de ça, ils ont toujours continué parce qu'ils connaissent le terrain et puis ils ont surtout le courage parce que c'est un engagement. Souvent on a l'habitude de dire quand j'ai peut-être même une fourchette, quelqu'un a une arme, si j'ai plus de volonté que la personne, je peux le désarmer et le blesser. Donc c'est exactement ce que le Tchad est en train de faire, ils ont le courage de se battre. Un pays comme ça, au lieu de l'encourager, on le sanctionne, on sanctionne les peuples. Je ne sais pas de qui on se moque. Moi je pense que c'est une très bonne chose que l'Afrique prenne les choses en main, mais encore une fois, il ne faudrait pas que ça continue à être des motions, des résolutions, parce que des motions, des résolutions, on en a tellement. Et là, il faut tout faire, nous, en tant que parlementaires du Parlement africain, on va tout faire pour que ça soit exécuté. Premièrement, j'envoie ma solidarité au nom du peuple de Djibouti, au peuple tchadien, frère, et à son gouvernement, aux ses représentants. En tant que membre du Parlement panafricain, nous avons exprimé notre solidarité ce matin au travers d'une motion de soutien au peuple et au gouvernement du Tchad. Nous condamnons donc cette sanction unilatérale et qui a été prise par l'administration du président Trump, parce que je ne veux pas dire les États-Unis. Il s'agit d'une administration qui souvent, d'une manière unilatérale, prend des sanctions à l'égard des peuples souverains africains. Donc je félicite le gouvernement tchadien pour la solidarité et l'effort qu'elle a dû mener durant ces dernières années pour soutenir leurs peuples amis tels que le Mali, le Cameroun, le Niger. Pour nous, c'est une victoire de la diplomatie parlementaire et je pense que notre pays, le Tchad, a fait quand même beaucoup d'efforts pour la lutte contre le terrorisme et les djihadistes. Donc pour cela, il mérite que cette sanction soit levée. Le vaillant peuple du Tchad, qui a été le premier à combattre le terrorisme et dont ses soldats sont morts bravement à l'honneur,
pour défendre la liberté et lutter contre le terrorisme. Je ne crois pas. Le vaillant peuple du Tchad, qui a été le premier à combattre le terrorisme et dont ses soldats sont morts bravement à l'honneur pour défendre la liberté et lutter contre le terrorisme. Je ne crois pas que cette récompense au Tchad, que l'Amérique prenne des sanctions contre lui, alors qu'il devait au contraire, s'il devait lutter contre le terrorisme, l'aider à l'encourager et lui donner les moyens pour lutter. Je pense que c'est manifestement mal connaître le Tchad. Ce que le Tchad a fait pour l'Afrique et pour le monde entier, le Mali. Vous savez que le fils du président du Tchad était à l'avant-garde, était devant les troupes.